J'ai commencé par dire c'est quoi une SPA parce qu'à la base, les gens ne savent pas qu'est-ce que le travail d'une SPA et que les SPA sont toutes indépendantes l'une de l'autre. Donc, la SPCA de Montréal, la SPA de Québec, la SPCA de Saguenay, on travaille conjointement ensemble, on peut s'aider, mais on n'est pas associé, on n'est pas affilié. Donc, nous ici à la SPA de Québec, on a 39 villes et territoires qu'on dessert. Et ce qui implique que nous sommes obligés dans les contrats de servir cette population-là, de s'occuper des animaux trouvés, abandonnés de ces secteurs-là. Un animal trouvé, nous, on n'a pas le choix de le prendre pour son temps de fourrière. Ce qui implique, malheureusement, là, c'est le côté trash du métier, ça se peut que ce soit un chapeau de tête que j'ai ici. Évidemment, si l'animal peut être sauvé, puis un pronostic de survie excellent, on va faire des campagnes de financement pour aider cet animal-là parce qu'on ne peut pas mettre 5, 6, 7, 10 000 $ sur un seul animal. Sauf s'il y a un bon pronostic de survie puis on fait comme oui, on est capable. On va faire un examen pour voir si elle peut se faire stériliser puis aller à l'adoption. Elle est toute peureuse. Elle est toujours un examen physique global de l'animal. Là. Je regarde là, les yeux, si tout est beau. On regarde les dents, s'il y a du tartre. S'il y a besoin d'avoir des extractions dentaires éventuellement, s'il y a une belle occlusion, je vais palper l'animal, voir s'il y a des masses, de la douleur ou quoi que ce soit. On va toujours prendre un poids, une température. Donc ici, on prend la température dans l'oreille. C'est moins stressant pour les animaux là, qu'intrarectal comme on fait habituellement. Là. Donc ça nous donne une valeur rapidement, puis ça minimise le stress chez nos animaux. On va voir s'il est social, s'il est peureux. On va tester après ça sa relation avec les autres chiens, si jamais ça pourrait être un bon match avec un autre chien. On va regarder s'il fait de la protection de ressources. Donc pour tester ça, on va lui mettre de la nourriture dans un bol, puis on a un faux bras ici. Donc on va tenter de retirer la nourriture de l'animal pour voir si elle veut attaquer le bras. Donc ça nous donne un indice là, sur tout ça. Dans son cas, là, je pense qu'il ne va pas avoir de problème. Donc on va pouvoir sûrement faire le micropuçage, le vaccin et la mise à l'adoption. Quand on fait les euthanasies, si les euthanasies se faisaient pas dans un sens éthique, pas un seul employé travaillerait ici. Sachez que même à n'importe quel endroit que vous allez aller travailler, si les choses se font pas correctement puis ça vous choque, vous resterez pas. Ben, c'est la même chose ici. On fait les choses du mieux qu'on peut pour pas être traumatisés nous autres aussi, là. Parce que c'est déjà pas facile. T'sais, des fois, là, les euthanasies, c'est jamais facile. La fille qui fait les euthanasies, c'est pas facile. Mais on peut refuser des euthanasies de complaisance. C'est les clients qui viennent nous voir puis qui arrivent. Il y en a un qui venait euthanasier un chiot de 3 mois. No joke. C'était ça son but dans son rendez-vous, mais évidemment, on a refusé. On l'a fait comme nous, on est capable de l'avoir en adoption. Là. Laissez-nous faire le processus pour l'adoption. Il y a 3 mois, j'ai dit non, trouvez une place qui vont faire ça parce que nous, c'est si on refuse. Oui, on doit servir les villes qui nous engagent, mais il faut qu'on y aille avec une logique aussi. Fait que finalement, Théo, il est parti en adoption, il est adopté. Les animaux qui rentrent ici ont tous des problèmes de comportement parce qu'ils ont été tous négligés. La différence entre cruauté et négligence. C'est ça! Vous ne pouvez pas l'aimer, là! Fait que les problèmes financiers de la personne, c'est ça la raison de son abandon. Mais on voit que c'est un animal qui a quand même été bien traité par son autre famille. Et je préfère, et de loin, que l'animal soit ici qu'ailleurs. Je vais profiter de ce cam-là quand même pour parler d'une chose aussi. Dans l'adoption responsable et autres, les gens voient beaucoup les animaux comme étant des objets où je vais aller changer pour plus jeunes. On a des gens qui nous appellent pour nous dire « j'aimerais ça faire un échange pour un animal plus doux. » Ça arrive. Moi, je voulais avoir un chat qui vient se coucher dans le lit avec moi, puis finalement, il vient pas dans le lit avec moi. Ça fait combien de temps vous l'avez, madame? 2 jours. OK. Tu penses qu'un animal s'adapte en 2 jours? Fait qu'il y a aussi ces problèmes-là au niveau de l'impatience des gens puis leurs trop grandes attentes face aux animaux. Les gens adoptent sans réfléchir.
Puis tu sais, outre ça, c'est que nous, on a de l'argent qui vient des villes, on a des donateurs, c'est ma job première de m'occuper des donateurs et d'entretenir ça. Mais il faut savoir quand même que on ne dégage pas de profit. Nous, si on dégage des profits, c'est réinvesti dans les animaux. Fait que tu sais, c'est vraiment important que tout ce qu'on fait soit axé sur « je dois sauver le plus d'animaux possible ». Mais on est bombardés. L'année passée, 3200 animaux ont été adoptés à la SPA de Québec. C'est énorme. Mais c'est beau, mais c'est énorme. Ça implique quoi, vous pensez? Ça implique qu'il y a 3200 animaux qui ont été abandonnés et où trouvés. Et ça, c'est pathétique. 3200, c'est énorme. Et on se dirige pas vers mieux, là. T'sais, en ce moment, c'est la période des chatons non sevrés, ou la période des chatons point. Fait que des chatons sans maman qui arrivent ici, on en a beaucoup trop. Des chattes enceintes, on en a beaucoup trop. Fait que t'sais, là-dedans, dans les 3200 animaux, l'année passée, il doit au moins y avoir facilement 500 chatons. Au moins minimum. C'est horrible. Donc, cette super section, c'est les chats et autres animaux. Allô, t'es enceinte? On a une petite maman enceinte? Bonjour, ma fille. Allô, cocotine. Donc, elle, évidemment, elle va s'en aller, comme vous voyez, en famille d'accueil. Donc, évidemment, parce qu'on veut pas qu'elle accouche ici, qu'elle passe sa grossesse ici, que les enfants grandissent ici. La famille d'accueil, par contre, va avoir des rendez-vous hebdomadaires avec nous pour faire un suivi des animaux. On lui offre tous les médicaments, la nourriture et autres. La famille d'accueil nous aide grandement. Et ça, c'est ça, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que les gens pensent que les animaux restent très, très longtemps en cage. Non! On essaye de les sortir d'ici. Ouais, c'est bon du lélé, hein? Et Colin, c'est bon du lélé. Oh mon Dieu! Oui, c'est le fun, mais ça, c'est concret, c'est crédible. Puis, sans gêne, parce qu'il faut démystifier ça un peu, j'ai des problèmes de santé mentale et le stress, c'est ça tue à long terme, d'une certaine façon. Puis, en venant ici, de un, je suis fière de ce que je fais. Et je fais beaucoup de zoothérapie ici. C'est qu'il y a une affaire extraordinaire avec les animaux. Puis, je vous jure, ça change la vie quand vous prenez conscience de ça. Eux, ils vivent le moment présent. Beaucoup. Puis, le moment présent, puis le passé, c'est le passé. Oui, des fois, ils vont avoir des stigmates de leur passé, mais ils vivent maintenant le moment présent. Puis, tu sais, on est beaucoup d'humains à stresser pour ce qui s'en vient, puis à se culpabiliser de ce qui est passé avant. Moi, le fait d'être groundé là, de voir une Zoé, petite Boston Terrier, pour regarder 9 fois par sa propriétaire, de voir Léa à l'article de la mort, puis qu'on va être capable de sauver, puis que malgré tout, ils nous font confiance. Taïga, une chienne qui a été trouvée dans une cage, son propriétaire est décédé à l'hôpital, mais personne ne savait qu'il y avait un chien. Fait qu'en allant vider la maison, les connaissances ont trouvé un chien qui faisait 2 semaines, qui était dans son urine, dans ses selles, puis elle avait 2 pouces d'excréments autour de son collier. Son urine avait brûlé sa peau, était en train de se faire manger par les vers. Elle est arrivée ici totalement épuisée, affamée et haute. Ma collègue, on vous dit, là, on a le cœur sa main solide, à part ça. Pas de hack, c'est dégueulasse, elle te l'a pogné, elle l'a monté, on est allé la mettre dans le bain. Le bain, en fait, il sort pas partout à ça ici. C'est vraiment pour désinfecter nos trucs. Mais là, on l'a tout lavé, sorti dehors, regardé, on l'a tout traité, faire le minimum de départ. Puis après ça, on dit, ah, c'est un bœuf, faut la mettre dans une cage. Elle n'a jamais grouillé. Elle a tout été un chien extrêmement parfait. Elle savait qu'elle était prise en charge. Fait que, malgré ce qu'elle avait vécu, elle nous laissait travailler sur le moment, puis elle donnait une chance à leur réapprendre à faire confiance à l'humain. Fait que, ils pardonnent, sont vraiment géniaux. Fait que, quand vous avez des problèmes, quand je parle de santé mentale, problème de santé mentale, je ne parlais pas toujours, mais de l'anxiété, la culpabilité, ces animaux-là ne sont pas de même. Fait que ça nous aide à être grounded. Vous n'avez pas idée à quel point c'est merveilleux de travailler ici. Malgré tout ce qu'on voit. Thank you.